Salut, salut! Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Donc, je viens de finir de passer l'aspirateur dans toute la maison avec Vemiti. En fait, Vemiti m'a aidée pendant que moi je rangeais. Kylian et papa sont partis au magasin. En fait, ils sont allés jeter les poubelles et sans prévenir. Ils se sont octroyés un moment pour aller au magasin, ce qui a tendance à magasiner. Bref, donc là avec Vemiti, on va plier le linge. Hein, ma chérie? Il y a beaucoup de vent, hein? On a beaucoup, beaucoup de vent. Donc où je pourrais me placer? Donc normalement aujourd'hui, Mickaël devrait poser ça. C'est de la mousse d'isolation tout autour des fenêtres. Surtout des portes vitrées qui sont en bas parce que franchement, on se tape vraiment du froid. Je vais essayer de vous poser sur quelque chose et je vous reviens. Bon, là, il fait un peu noir. Je vais me placer dans les escaliers. Parce qu'en fait, Vaimiti va écouter de la musique. Donc, si il y a la musique dans le fond, ça va pas être le top. Là, j'ai une machine qui est en train de tourner encore. Décidément, tous les jours, je fais une machine. En fait, le souci de ma machine, c'est que c'est une 5 kg. Parce que, bon, elle a quoi là? Elle est de 2006. Donc, imaginez l'âge qu'elle a. Elle a presque 13 ans. En août. En août, ça fera 13 ans. Et donc on vivait que à deux, donc quand on était à deux ça va, mais quand pour quatre personnes 5 kilos c'est un peu chaud, mais bon je fais avec, hein. Je fais avec, je vais pas me plaindre, je vais pas acheter une autre machine alors que celle-là me suffit amplement, quitte à faire plusieurs machines, hein, voilà, il faut faire. Aujourd'hui je vais continuer mon rangement de tampons, je vais profiter que monsieur est là pour qu'il s'occupe des enfants, j'espère, bref. Et moi, je vais continuer mon rangement tampon, mes rangements tamponnage. Tamponnage, tampon. Elle dit jambon, quoi. Alors, moi, aujourd'hui, je suis avec ma fille. Elle a voulu passer l'aspirateur aujourd'hui, donc elle est restée avec moi. Et moi, je veux des cheveux comme ça. Tu veux du maquillage? Oui, du maquillage. Mais il n'y a pas de maquillage pour enfants, là. Mais. Non, là, j'en ai pas. J'en ai que pour adultes. Imaginez à 18 ans. Donc, nous, on va se retrouver un peu plus tard parce qu'en fait, avec Vemiti, on va plier le linge qui a été étendu hier. Donc, je suppose que c'est pas sec. Donc, ce que je vais faire, je vais poser ce qui n'est pas sec sur les radiateurs. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et puis après, dès que ma machine elle est finie, je vais étendre celle-là. Ouais, j'essaie de faire au maximum de choses aujourd'hui parce que en fait la semaine prochaine je ne serai pas trop à la maison donc j'ai pas envie que la maison soit un souk. Tout ce que je sais c'est que je vais à l'école pour 10h30 donc entre-temps, oui, je peux le faire. Donc entre-temps, je pourrais faire mon ménage. De rien, ma fille. Bon, allez, nous on va pas s'attarder là, j'ai du linge encore à faire. Les spaghettis bolognaises parce qu'il est déjà 10h15. Et puis après, mon après-midi, scrap. Allez, à de suite. Bisous, les 19h moins 20, les petits sont sur leur tablette. Monsieur est en train de mettre la pizza au chaud. Moi, je vais manger le reste de ce midi. On a mangé spaghetti bolo. Et en fait, je voulais vous faire montrer ce que j'ai fait pour vous donner une idée un peu de comment je m'organise pour mes tamponnages. Donc, on va mettre la caméra comme ceci. Hop. Je vais faire comme ceci. Alors, ça, c'est un exemple. Donc moi, avant, je travaillais comme ça. Dans des petites pochettes, je mettais, et puis là, je mettais, ben là, c'était les trucs sur la famille. Là, par exemple, remerciements. Ici, Saint-Valentin, bref. Et finalement, je trouve que cette organisation-là ne me plaît pas.
Parce que quand, par exemple, il me reste plus de photographie, par exemple, le mot photographie, je ne sais plus sur quel tampon chercher, sur quelle planche de tampon. Donc, je suis obligée de chercher dans tout mon barda, puisque j'ai plus d'une centaine de planches de tampons. Et hier, je vous avais fait rentrer ça. Et aujourd'hui, j'ai fait cela pour vous faire montrer un peu comment je vais faire. Là. Donc, normalement, c'est comme ça. Soit je fais comme ça, soit je mets directement toute la fiche comme ça. Enfin, bref. Le but est pas là. Le but est, par exemple, cela. Si, par exemple, j'ai plus de souvenirs dans ce paquet-là. Si jamais j'ai plus de souvenirs, le mot souvenir et que j'en ai besoin. En fait, je saurai où aller chercher puisque j'aurai noté dans quelle planche de tampon il sera. Voilà, là, moi, ça va être le A1. Donc, j'irai chercher la planche A1 qui, normalement, devrait être la bonne, etc. Donc, celui-là, j'ai fait pareil. J'ai mis A2. Ouh là là, l'allumé. Voilà. Et ça, pareil. Celui-là, c'est A3. Donc, il faut que j'aille chercher la planche A3. Donc, voilà à peu près mon organisation pour mes tamponnages. Je trouve que ce système est bien parce que, en fait, il permet de, par exemple, voilà, ça, il y a tout plein de mots qui sont sur la même planche. Par exemple, on n'a plus de Happy Birthday et moi, je veux celui-là, par exemple. Si j'en ai plus, je retourne, je regarde A3, je vais chercher la planche A3. Je vais continuer mes tamponnages comme avec ce système-là, parce que je trouve qu'il est bien comme système pour le moment. Pour le moment. Parce qu'après, ça dépend pas de... Je vais pas faire tous les tampons, quoi. Je fais que les tampons qui m'intéressent, les dessins qui m'intéressent, mais toujours utiliser le même système de lettres et chiffres. Donc la lettre A, c'est tous les mots, la lettre B, ça va être tous les animaux, la lettre C, le thème de Noël, etc., etc. Chaque lettre présentera un thème et on verra bien. Donc voilà. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser sur ces quelques mots et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. À demain, bye bye.